Énième dénouement dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday. Selon les informations de la chaîne M6, un accord aurait été trouvé par David Hallyday, concernant la somme de 1,12 million d'euros qui devait lui revenir et dont il s'est finalement désisté. Une décision qui chamboule le processus de remboursement des dettes du rocker, mais aussi le versement de l'héritage de 2,6 millions d'euros à sa demi-sœur Laura Smet. Pour rappel, ce sont l'ensemble des héritiers qui devaient éponger les 30 millions d'euros que les impôts lui réclamaient. Selon nos informations, Laura Smet n'a reçu pour l'heure qu'une grosse moitié de son héritage, 1,5 million d'euros. Le reste de la somme, 1,12 million, ne sera versé qu'après le désistement de David Hallyday de recevoir sa part d'héritage. Le fils de Johnny renoncerait à toute poursuite judiciaire mais serait exempté comme Laura du remboursement des dettes fiscales de Johnny réévaluées à 30 millions d'euros. Et le journaliste François Vignol expliquait encore, les avocats de Laura ont été scandalisés par l'interview de Laetitia dans Paris Match. Il reproche à l'épouse de Johnny de ne pas avoir respecté les clauses de confidentialité qui entourent l'accord sur l'héritage. Ils réfléchissent à une action en justice. Droit d'auteur V en Best Image 2/6, Laura Smet, David Hallyday, arrivée des personnalités en l'église de la Madeleine pour les obsèques de Johnny Hallyday à Paris le 8 décembre 2017. Droit d'auteur Coadic Guirec Best Image 3/6, info, Laura Smet est enceinte de son premier enfant, Laura Smet lors du premier jour de la 11e édition du Festival du film francophone d'Angoulême, France, le 21 août 2018. Droit d'auteur Coadic Guirec Best Image. Droit d'auteur Olivier Borde Best Image 4/6, info, Laura Smet est enceinte de son premier enfant, Laura Smet, photocale du défilé Chanel Collection prête à porter printemps été 2019 lors de la Fashion Week au Grand Palais à Paris le 2 octobre 2018. Droit d'auteur Agence / Best Image 5/6, Laetitia Hallyday sort du cabinet de ses nouveaux avocats avec son père et il marche avenue Montaigne à Paris le 18 septembre 2019. Droit d'auteur Olivier Borde Best Image 6/6, info, Laura Smet est enceinte de son premier enfant, Laura Smet, photocale du défilé de mode haute couture printemps été 2020 Chanel à Paris. Le 21 janvier 2020 précédent suivant 152 commentaires partagés et articles partagés sur Facebook sur le même sujet Laura Smet David Hallyday Johnny Hallyday Laetitia Hallyday 20 info closer. Héritage de Johnny, cette dernière demande de David Hallyday à laquelle Laetitia n'a pas voulu céder 20 héritages de Johnny, découvrez les détails de l'accord entre Laetitia Hallyday et Laura Smet 12 héritages de Johnny, pourquoi David Hallyday n'a pas passé d'accord avec Laetitia 15 héritages de Johnny, ce à quoi David Hallyday a réellement renoncé 18 héritages de Johnny, pourquoi David Hallyday bloque aussi la procédure américaine 5 héritages de Johnny Hallyday. Bientôt un accord entre Laura Smet, David et Laetitia Hallyday. 17 Info Closer, héritage de Johnny, cette ultime demande de Laura Smet 3 Johnny Hallyday, quelle chance ont eu David et Laura de s'appeler Smet. 3 héritages de Johnny Hallyday, un internaute lance une cagnotte pour aider Laura Smet et David Hallyday fille de parents plus que célèbres, Laura Smet quitte l'école à l'âge de 16 ans pour suivre les cours de théâtre dispensés par Raymond. Voir la biographie de Laura Smet 152 commentaires anonymes 28300028 le 19/7/22h48 Laetitia est vraiment obsédée par l'argent, et la fille de Johnny ne fait pas beaucoup mieux.
03 10, répondre signaler un abus anonyme 3 0 3 1 9 4 5. Le 15 11e date 19h02. Je suis d'accord avec vous, elles sont pareilles, allez travailler, ça changera, faites vous oublier 00. Signaler un abus anonyme le 18 7e date 10h. Finalement il y a toujours que le fric, une femme très vinale, pas très intéressante 4 0. Répondre signaler un abus anonyme 2 8 2 7 5 3 9. Le 18 7e date 10h16. Elles n'estent pas les seules en cette affaire 01. Signaler un abus Yvette le 18 7e date 9h29. On ne parle jamais des successions de Mireille Darc, Charles Aznavour, France Gall. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Madame Boudou autour. Honte à Madame Boudou sur 200 millions. Laura reçoit 2 millions. Scandaleux. La sainte n'y touche. Cette personne est une malade. Elle a besoin de soins. 51. Répondre signaler un abus anonyme 3 0 3 1 9 4 8. Le 15 11e date 19h04. Encore des accords 00. Signaler un abus anonyme 2 8 2 7 5 0 2. Le 18 7e date 9h28. On ne parle jamais des successions de Mireille Darc, Charles Aznavour, France Gall. Peut-être parce qu'il n'y a pas de Madame Boudou autour. Honte à Madame Boudou sur 200 millions. Laura reçoit 2 millions. Scandaleux. La sainte n'y touche, va encore se pavaner. Cette personne est une malade. Elle a besoin de soins. 23 0. Répondre signaler un abus anonyme 3 0 3 1 9 5 7. Le 15 11e date 19h09. Son frère est beaucoup plus discret que sa sœur. Et l'argent, et encore l'argent. Pauvre Johnny, si tu savais. 00. Signaler un abus anonyme le 18 7e date 6h27. Même si j'y aime pas Laetitia et qu'elle a pas bien agi, Laura est pire. Elle est née que haine et voit une jalousie maladive à sa belle-mère qui rendait son père heureux. Laura, il y a que elle, l'argent qui elle intéresse vu le processus elle a intenté à sa belle-mère. Son père ne compte pas, sinon elle respecterait sa veuve qui a vécu et était mariée depuis plus de 20 ans et leur fille adoptive. Et si Laetitia n'y avait pas eu Laetitia, il serait mort depuis plus longtemps. Peur, la drogue et la vie de défoncé alcoolo et surtout ruiné. Laura elle-même était une droguée et peut-être encore. En tout cas c'est uniquement et l'argent docteur son père qui elle intéresse. Je plains son futur enfant et son beau-fils. 447. Répondre signaler un abus anonyme le 18 7e d'à 6h27. Même si j'y aime pas Laetitia et qu'elle a pas bien agi, Laura est pire. Elle est née que haine et voit une jalousie maladive à sa belle-mère qui rendait son père heureux. Laura, il y a que elle, l'argent qui elle intéresse vu le processus elle a intenté à sa belle-mère. Son père ne compte pas, sinon elle respecterait sa veuve qui a vécu et était mariée depuis plus de 20 ans et leur fille adoptive. Et si Laetitia n'y avait pas eu Laetitia, il serait mort depuis plus longtemps. Peur, la drogue et la vie de défoncé alcoolo et surtout ruiné. Laura elle-même était une droguée et peut-être encore. En tout cas c'est uniquement et l'argent docteur son père qui elle intéresse. Je plains son futur enfant et son beau-fils. 514. Répondre signaler un abus anonyme 2 8 3 0 6 5 4. Le 27e d'à 11h11. Et là, vous trouvez que Johnny n'est pas ruiné? 30 millions de dettes qu'il laisse à ses enfants, des maisons et villas achetées en copropriété avec des sociétés, la veuve n'a que la moitié du patrimoine dont elle peut mettre à la vente. Attention, on ne va pas sortir les mouchoirs, elle a bien planqué de l'argent et cela, jusqu'à la veille de sa mort. Ce n'est que justice si David et Laura est leur part, si est-il plus une question de sentiment qu'intérêt, d'hériter ses enfants, si est-il est rayé de sa vie. Boudou a encore la gueule de travailler, il n'est jamais trop tôt pour commencer.
29-0 signalé un abus Sofia le 18-7e d'à minuit 50. Elle ne lâche pas tout droit de regard sur la carrière de son père, paraît légitime. Il lui a composé des chansons en plus de gros succès. Elle est avide de fric, la belle-mère, et les millions d'euros d'impôts elle va les payer quand, au lieu de dépenser en voyage, l'avion n'est-ce pas cher pour elle, l'empreinte carbone non plus. 30-0 répondre signalé un abus anonyme 28-27-08-5 le 17-7e d'à 23h06. Laura a eu des problèmes, mais elle les a réglés, ce qui n'est visiblement dommage pour ses filles qui doivent composer avec une mère malade. 47-2 répondre signalé un abus anonyme 28-27-08-0 le 17-7e d'à 23h05. Laura a eu des problèmes, mais elle les a réglés, ce qui n'est visiblement pas le cas de la Boudou qui, malgré les conseils de ses proches de consulter un psychiatre. Dommage pour ses filles qui doivent composer avec une mère malade. 32-0 répondre signalé un abus anonyme 28-27-074 le 17-7e d'à 23h. Laura a eu des problèmes, mais elle les a réglés, ce qui n'est visiblement pas le cas de la Boudou qui, malgré les conseils de ses proches de consulter un psychiatre. Dommage pour ses filles qui doivent composer avec une mère malade. 30-0 répondre signalé un abus plus de commentaires.